partir au JMJ cet été avec les Dominicains de la province de France, vous avez deux possibilités. Ou vous partez avec Lyon, ou vous partez avec Lille. Vous partez avec Lille, c'est-à-dire avec les étudiants du foyer Saint-Dominique et les guides aînés de la 9e Marc-en-Barœul. La première semaine, la semaine missionnaire, nous nous rendrons au couvent des frères dominicains de Varsovie, où nous rencontrerons 250 autres jeunes venus du monde entier, venus eux aussi avec des frères. Un groupe de Taïwan est déjà annoncé. Nous participerons à toutes les activités du diocèse, notamment le rassemblement au grand stade de Varsovie et les 60 000 jeunes qui entoureront l'évêque. Nous visiterons la ville, nous visiterons les lieux saints, nous participerons aux activités caritatives, activités de rassemblement de prières. Nous logerons enfin dans les familles à Varsovie. Ensuite, départ pour Cracovie, et plus exactement Zebridowska, au sud de Cracovie, un grand sanctuaire polonais, pas très loin de Wadowice, la ville natale de Saint Jean-Paul II. Zebridowska est un peu à la montagne, on sera donc quelques jours au vert, avant de retrouver la foule de Cracovie. Le matin, nous assisterons aux catéchèses, l'après-midi à toutes les activités du Festival mondial de la jeunesse. Nous aurons aussi un rassemblement au couvent des frères dominicains de Cracovie avec le maître de l'ordre, le supérieur des dominicains, pour une soirée de rencontres, d'échanges, de louanges et d'adorations. Puis nous rejoindrons les millions de jeunes qui entoureront le pape François. Nous rentrons à Lille le 1er août.